Wi-Fi ? C'est quoi Wi-Fi ? Ça veut dire rallonge. Vous avez aimé les mondes de Ralph ? Vous fondrez devant la suite des aventures de notre héros, Ralph 2.0. Et à l'occasion de la sortie en salle du film, on est allé à la rencontre de deux des voix françaises, François-Xavier Demaison et Jonathan Cohen, mais également des deux réalisateurs, Rich Moore et Phil Johnston. Ralph et Vanellope, deux personnages estampillés Disney qui reviennent casser la baraque au cinéma dès le 13 février 2019, et deux héros dont l'amitié va être mise à rude épreuve dans des aventures toujours aussi loufoques qui cette fois-ci les conduisent à sortir de leurs jeux vidéo respectifs pour découvrir les immensités du monde d'Internet, eBay, Facebook, Twitter, YouTube ou encore Oh My Disney, des sites web et autres réseaux sociaux qui prennent ici une forme concrète et un défi de taille pour les deux réalisateurs concernant la représentation du réseau informatique. It was very challenging to come up with this world because it's one thing to say, hey, let's make an animated film about the internet, but then we have to say like, well, what does it look like, you know? So we did lots of research on the internet. To come up with a metaphor, you know, and for what it looks like. And we settled on this idea of an ancient city that has one civilization on top of each other, like Rome or Istanbul, with all the old websites down at the bottom. And it's kind of like this ball that's ever expanding out with all the new ones up on the horizon. So it's it took us 9 months to a year to really come up with and build this world in the film. What characters would you have enjoyed seeing in this movie? That we don't have? Craig from Craigslist. it would have been fun to get Ask Jeeves. Yeah. You know, that guy, the butler. The dog from Pets.com would have been a good one. Let's see. Any others? Archie Bunker, you know. Emmanuel Macron. I don't know. We wanted him so bad. We wanted him so bad, you know, but maybe for part three. Au casting vocal pour la version française, on retrouve François-Xavier Demaison dans le rôle de Ralph, mais également Jonathan Cohen dans celui de Spamley, un Spam plutôt gentil qui va venir en aide à notre duo et une consécration pour les deux comédiens qui espéraient un jour tourner dans un Disney. Eh ben, écoute, déjà de faire un Disney, c'est génial parce que le personnage est trop marrant, parce que j'avais adoré Raph de tout seul déjà, Raph tout court, le premier. Ben, c'est les propositions qui se refusent pas. De jouer un rôle principal dans un Disney, c'est une consécration quand même pour un acteur. Et puis, je trouve tellement attachant ce personnage, tellement touchant, ce besoin d'amour permanent, inassouvi, cette susceptibilité. Finalement, je me sens assez proche de lui. Deux personnages attachants auxquels les deux acteurs s'identifient plus ou moins. Je m'identifie pas, mais j'adore ce personnage parce que les trois attachants, c'est un peu un espèce de spam loser qui a un super grand cœur et qui va aider les persos à se retrouver un peu dans toute cette bulle internet et trouver leur chemin. Bah c'est moi, Ralph. C'est moi. C'est vous. Les petits bourrelets, cette force herculéenne, mais ce grand cœur, c'est moi. Le rôle était taillé pour vous. Taillé pour moi. Rendez-vous donc en salle le 13 février pour découvrir les nouvelles aventures de Ralph et de toute sa clique dans les méandres d'Internet. Et bonne séance.